Faites une évaluation visuelle de l'épaisseur de la gaine externe du câble. Placez le barillet correspondant à cette épaisseur sur la pince, avec une tolérance minimum et maximum de 0,5 mm. Choisir un barillet proposant une pénétration inférieure à l'épaisseur de la gaine externe. Placez le barillet sur la pince en appuyant sur le bouton noir situé en haut de l'outil. Choisissez la pénétration voulue en tirant et en tournant la molette à trois branches. Les pénétrations sont inscrites sur le barillet et correspondent au numéro 1, 2 ou 3 gravés sur la molette tournante. Positionnez la pince sur le câble à la marque préalablement faite sur la gaine externe du câble pour réaliser la coupe circulaire en premier. Serrez énergiquement les manches pour faire pénétrer les couteaux dans la gaine, puis effectuez, tout en restant serré, un mouvement de haut en bas pour réaliser cette coupe. Il n'est pas nécessaire de faire un tour complet de la pince sur le câble. Pour réaliser la coupe longitudinale, positionnez le couteau du barillet sur la coupe circulaire et serrez énergiquement les manches de la pince pour faire pénétrer ce couteau dans la gaine, puis tirez la pince vers le bout du câble tout en restant serré et bien parallèle au câble. En se servant des crochets situés au bout de la pince, ouvrez progressivement la gaine pour la retirer du câble.